Saint-Gabriel, la Merveille, 4 rue Charles Baudelaire à Évry-Courcouronnes. Et pour venir ici, il faut prendre le RERD, vous pouvez le prendre à la gare du Nord, vous pouvez le prendre aussi à la gare de Lyon, et c'est le RERD qui vient à Évry-Courcouronnes, c'est-à-dire Malesherbes, etc. Si vous voyez sur le tableau Évry-Courcouronnes, vous le prenez, vous descendez à la gare d'Évry-Courcouronnes et vous prenez le bus, les bus 403, 404, 407, 453. Ça vous amène à la paroisse Saint-Gabriel-la-Merveille. Vous descendez à l'arrêt Nouveau-Champ. C'est le bâtiment, la tour Baudelaire. A été créé par la grâce de Dieu depuis le 16 février 2002. Nous sommes dans la 15e année et le dimanche prochain, ce sera l'anniversaire de la paroisse Saint-Gabriel parce que nous avons fait le premier culte le 17 juin 2002. Au 37 rue Jean Allemand à Champigny. Aujourd'hui, nous sommes ici à Évry-Courcouronnes et tous ceux qui veulent venir à la paroisse Saint-Gabriel, vous êtes les bienvenus. Semaine, les mercredis à 10h, mercredi soir, vendredi
à 13h, culte de sanctification. Vendredi, à 18h, culte normal. Et nous avons des séances de restauration et de délivrance tous les samedis. On le fait en direct. Si vous allez sur le Facebook Tain Richard, vous allez voir qu'on le fait en direct, les délivrances et la prière de restauration. Et les mardis et vendredis, il y a des prières, il y a des veilles. Mais la paroisse n'est jamais fermée. Elle est toujours ouverte, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Et chaque jour, il y a les adorations de 3 heures, chaque 3 heures sur la paroisse. Elle n'est jamais fermée. Vous pouvez venir à tout moment. La paroisse n'est jamais fermée. Voilà. Et donc, ici, il y a des devanciers et devancières qui sont à votre disposition. Nous insistons là-dessus. Nous proclamons plus, nous sommes basés plus sur la parole. Je dis bien, quand je dis la parole, c'est-à-dire l'enseignement biblique, l'enseignement de la parole, nous sommes beaucoup basés dessus parce que quand quelqu'un connaît la Bible, quand quelqu'un connaît la parole, alors il est un homme qui est sauvé. La Bible, Dieu nous dit, je suis sauvé par la parole. C'est la parole qui est notre sauveur. Donc, à Saint-Gabriel, nous mettons beaucoup d'accent sur la parole. Voilà. Donc, si vous voulez venir à Saint-Gabriel, vous pouvez appeler au 06, au 07 du moins, 07 82 96 73 90. Ça, c'est mon numéro personnel. Vous appelez, on va vous donner tout ce qu'il faut comme indication pour venir sur la paroisse. Il y a un numéro fixe que nous aurons l'occasion de vous le donner. Voilà. Donc, pour dire que vous êtes les bienvenus à Saint-Gabriel, et ici, il n'y a pas de... c'est pas la paroisse du supérieur Saint-Richard, c'est la paroisse de l'église du christianisme céleste. Tout le monde peut y venir et faire ce que Dieu nous lui demande de venir faire. Voilà. Les couvents, comme je l'ai dit, les couvents, la paroisse est ouverte 24 heures sur 24, 7 sur 7. Elle n'est jamais fermée. Elle est là. Tout le monde peut venir à tout moment, à toute heure. Il va trouver quelqu'un sur la paroisse et les adorations se font chaque 3 heures. Donc voilà un peu la présentation de la paroisse Saint-Gabriel. Nous avons des projets, un projet d'achat. Nous avons un projet d'achat parce que nous ne voulons pas rester en location, nous voulons acheter. Et notre projet, c'est d'ici le mois de septembre, nous savons que Dieu voudra que ce projet puisse connaître son aboutissement. Donc, et notre fête de moisson, c'est le 17 septembre 2017. Voilà. 2017, il aura lieu la fête de moisson de la paroisse Saint-Gabriel. Vous êtes invités. Vous pouvez venir et comme j'ai dit, nous sommes là à votre disposition. Notre téléphone n'est pas fermé. Vous pouvez nous appeler 24 heures sur 24. Vous aurez une réponse à vos préoccupations. Maintenant, s'il y a d'autres choses que vous voulez, vous nous appelez. Nous sommes à votre disposition. Sinon, c'est une paroisse de l'église du christianisme céleste. Moi, je ne connais pas obédience. Voilà. Chez moi, il n'y a pas d'obédience. C'est l'église du christianisme céleste. Donc si tu es céleste, tu viens. Maintenant, si tu es obédience, bon, c'est toi qui fais ton choix. Mais moi, ce que je demande, c'est que tu sois chrétien céleste. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il vous élève puissamment. Notre projet, comme je l'ai dit, c'est de faire de cette église une grande église. Nous voulons faire de Saint-Gabriel la merveille. Vraiment une merveille de l'église du Christianisme céleste. C'est pourquoi nous avons des projets d'achat et de bâtir un temple digne de l'Éternel, notre Dieu. Nous ne voyons pas les choses en petit, nous les voyons en grand, parce que notre Dieu, il est grand. Donc celui qui voit en grand peut venir se joindre à nous. Celui qui voit en petit Dieu, ce n'est pas la peine de venir, parce que notre vision de Dieu, c'est la vision de grandeur. Voilà. Nous n'avons pas peur de voir les choses en grand. Donc, si tu vois les choses comme nous, en grand, tu peux venir. Voilà. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous bénisse en abondance. Au nom de Jésus. Amen.